Avec ceci, on va faire ceci. Cette pochette à savon nomade est composée d'un tissu coton pour l'extérieur, d'un tissu éponge pour l'intérieur et elle se ferme avec impression. Ces deux pochettes nomades sont parfaitement identiques, mais elles se confectionnent de deux manières différentes que je vais vous montrer dans ce tuto. Elles sont adaptées à un petit savon de 100 g qui mesure 8 cm sur 4,5 cm et qui fait 2,5 cm d'épaisseur. Il vous faudra le gabarit. Coupez deux fois, une fois dans un tissu, une fois dans un tissu éponge. Il faudra également impression et la pince à pression. J'ai prévu deux fois la même chose pour vous montrer comment confectionner cette pochette de deux manières différentes. On positionne ces deux parties endroit contre endroit. Et on va assembler uniquement le bas en laissant une ouverture. Alors je couds sur 4,5 cm et je laisse une ouverture de 6 cm et je recouds sur 4,5 cm. Alors j'ouvre comme ceci et je vais ouvrir la couture. On va replier donc au niveau de la couture, comme ceci, sur 7,5 cm. Vous avez un pli là, et de là à la couture, il y a 7,5. Et on épingle de chaque côté. Quand c'est épinglé, on replie l'autre morceau et on vient superposer les arrondis en haut et on épingle. Donc ça donne ceci. On assemble sur tout le tour. Alors maintenant, je vais couper les angles. Dégarnir l'arrondi du haut et cranter les arrondis. Et on vient retourner par l'ouverture qu'on a laissée au début. On va ensuite donner un petit coup de fer. Il faut refermer cette ouverture et je vais faire un petit point à la machine. Et pour ça, je vais
le repasser de l'autre côté pour pouvoir glisser cette partie-ci sous mon pied presseur. Alors, je vais placer mon pression, donc la partie pointue au bout de l'arrondi, côté extérieur. L'autre partie à l'intérieur et on presse. Alors, on vient bien positionner. Hop. Et on place l'autre partie pointue à l'intérieur. On place l'autre partie et on presse. Pour la deuxième façon de réaliser cette pochette nomade, on prend les deux autres parties et on les place endroit contre endroit. On épingle le haut et le bas. Il faut assembler le bas sur toute la longueur. Il faut également assembler le haut en assemblant sur les côtés sur 2 cm. On vient ensuite bien ouvrir la couture. Alors, on vient placer comme ceci. Il doit y avoir la même mesure de chaque côté. Et on épingle. Il faut venir assembler de chaque côté. Alors, on le place sur ce côté-ci, on a cette partie qui est libre et on va piquer de la piqûre où il y a les 2 cm jusqu'au bout de chaque côté et de l'autre côté on pique et sur un côté on laisse une ouverture de 5 cm. Alors je vais dégarnir les angles. L'arrondi et je vais cranter. Et on retourne par la petite ouverture. Alors, je le repasse sur l'envers pour refermer l'ouverture qui est ici. Alors, le pression, c'est exactement la même chose que la première pochette. Et voilà,